chaises, elles deviennent autant de vous là, non? Avec, Quel rendez-vous c'est important? Avec Dr. Assad. Ah ouais, j'avais oublié. Mm-hmm. Quoi? Yeah, c'est demain à 10h. Parce que là, tu as raté. Non, c'est pour nous deux, tous les deux. Pourquoi? Nous deux, pourquoi? Tu veux aller, comment on appelle ça même? Par rapport aux enfants? Ça, c'est moi, tu n'es pas femme. Enfin. Chérie, tu n'as pas dit ça. Ok, mais quoi, t'as un rendez-vous alors plus tard, comme ça, change un docteur, quoi, This is like the fifth time. On prend des rendez-vous et puis à la dernière minute, et puis tu choses. Comment? You bet on me. Don't do that. This is like the fifth time, honey. Ok, j'ai compris. On ne sait jamais, l'alcool aussi, tout ça, là, ça agit sur le sperme. Non, mais chien, je comprends les cités. Pas toujours mon alcool. Alcool, là, ça a quoi à voir avec toi? Chérie. C'est toi qui bois mon alcool? C'est pas moi. Ça rentre dans ton ventre? Pardon. Hein? Mais je veux te parler de ce que tu Non, je parle. Non, mais attends, je n'aime pas ça. Tu as commencé bien et tu rentres dans les désordres. Tu veux pas tout alcool. Change alcool. Non, je n'aime pas ça. Tu as aimé quoi? Attends, Écoute. S'il te plaît, non. Le rendez-vous, c'est demain. Ok, j'ai compris. Ami. 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 Imbécile, t'appelles, tu ne réponds pas depuis là. Hein? Hein? Anything to drink? I thought you only wanted to talk for a few seconds. Still, I don't understand. But I'm a guest here. You need to at least offer me some drink. What's up with hospitality? You're not a guest. I mean, I'm thirsty though. So? I know I'm not a guest, but I'm thirsty though. And I'm in your house. Ben, what do you want so you can get it, talk, and get out? It's cool outside. Do you have at least like, you know, something warm like a tea? You want me to make you tea? Please. Listen, please. You're doing too much for me. You need to like get your life seriously. I love you though. Whatever, please. No. You need help though? I'm you trying to know what I need from you right now? Yeah. I need you to get out. Let me get out?
Yes. Seriously, you want me to get out? I'm very serious. If I get out right now and just go out, would you like it though? Ben, do you really want to talk or you yes, but I don't like the way you're treating me though. So I guess that makes the both of us, right? I'm your boo, so stop treating me like that. You're not my boyfriend. Please, mind your tongue. I beg you. Yeah. So, do you want sugar or anything? Yeah, only, give me 2 spoons of sugar. 2 only. I control my sugar. Only 2. Only 2. I will put 20 aside. Yeah, you're gonna kill die. Me. Die, come on. See, just only give me 2. Allez. T'es content de ça? Vas-y, vas-y. Ça fait 8 ans. Ouais, et puis on a ça. Very good 8 years, and I felt like y a pas quelque chose que j'ai pas donné, tu comprends? Je me suis donné à sang et à corps, à cœur et en âme, je suis donné. Et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose avec lui, quoi. C'est tout le temps la même chose. Tu vois, moi, je suis fatiguée. Tu peux te rendre compte que 8 ans, on est mariés, on n'a pas d'enfant. Rien. Quand je lui dis, allons voir le docteur, il refuse. Tandis que j'ai tout fait. Je suis partie chez tous les gynécologues possibles. On me dit, non. Mais Sammy, you're okay. There's nothing wrong with you. Quand je lui dis lui, il n'a qu'à venir, on va partir. Il refuse. Il s'en fout carrément, quoi. C'est-à-dire, genre, pour lui, c'est un homme. Ami, c'est un objet. On lui a donné. Et puis, il fait seulement ce qu'il veut avec. Tu comprends? Je sais que c'est pas facile. On dit, c'est vraiment pas facile. Quand tu le gardes, c'est encore plus difficile. Donc, c'est pour ça que je suis là. Puis ça fait mal. Ça fait mal. Mon mari rentre tout le temps. Il est ivre. C'est quel musulman, ça? Mais tu penses pas qu'il y a autre problème? Quand tu dis la problème mental, il n'a qu'à pas se faire soigner. Puis là, l'amour, il s'est fatigué. Ah, il ne sait même plus ce qu'il a fait. Mais là, je suis à bout de souffle. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Je suis fatiguée. S'il a des problèmes, il n'a qu'à me dire. Pour le fait de partir à l'hôpital, tu sais, les hommes africains pensent que les problèmes d'enfants, you know, c'est seulement aux côtés des femmes. Quand c'est comme ça, approche quelqu'un de plus âgé. Non, pour plus parler. Et puis, quand il frappe, quand tu mets dessus. Non, il ne va pas te frapper. Maintenant que tu m'as ouvert ton corps, moi, je vais l'appeler. Tu sais qu'il m'écoute beaucoup. Et qu'il m'aime beaucoup. Tu sais ça. N'est-ce pas? Je vais l'appeler. On va s'asseoir, on va parler. Mais j'aimerais que tu te calmes. OK? Que tu te calmes. Et que quand tu arrives à la maison, que tu ne fasses pas d'histoire. Quand il va dehors, qu'il arrive tard, s'il y a la nourriture, chose à nourriture, il faut lui donner. Pour ne pas faire de tapage, pour ne pas faire d'histoire. Tu as compris? Quand il te dit fais ceci, tu le fais. Mais en attendant, moi, je vais parler avec lui. Tu dois beaucoup te calmer. Tu sais, quand il y a un couple après 8 ans de mariage, quand il n'y a pas d'enfant, il y a des tensions. C'est toujours comme ça, il y a des tensions. Et l'homme pense que c'est la femme qui ne peut pas enfanter. Tanti. Je vais parler avec lui. Et tanti. Tu sais qu'il m'écoute. Tanti. Oui. Tu sais que tu as dit là. Il est compris. Tu vas parler avec lui. Tu mets tout ça. Au moins, je suis là. Parent et mato. Et ça va. Parent et mato. Ça va. Ça la manière, ça va. Si vous voulez. Tanti. Fouloulou. Je vais parler avec lui. I tried. I know. Ouais, non. C'est toi-même, Tanti. Le jeu du mariage à toi, mais tu m'as fait asseoir dans cette même maison. Je sais. Tu m'as dit que, ami,
Une femme appelée à se marier, c'est pas grâce à ça, c'est ton mari qu'elle a pour battre. I did it for my father, I did it for my mother, I did it for you guys. Yes, I know. What am I? That's why you still have to be patient. I'm gonna talk to you. Tu sais que mon beau m'aime bien, tu sais qu'il m'écoute. Si moi tu m'avais dit ça depuis, je l'aurais appelé, je m'assois pour parler avec lui. Moi-même je vais l'appeler, ok? Je vais l'appeler, il va venir ici. Je vais parler avec lui. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu m'as entendu? Je sais que tu veux ton foyer, c'est pour ça que tu ne veux pas défiguer tout ce qui se passe à la maison. Ce que tu fais là, ça c'est le comportement d'une très bonne femme. Il faut le continuer, il ne faut pas te décourager. Tu as compris? Tenter jusqu'à quand? Jusqu'à quel prix? Mais justement, je vais lui parler. Comme je t'ai dit, je vais lui parler. Tu ne me fais pas confiance, bébé. Il te fait confiance, mais là, je suis fatiguée. Non, fais-moi confiance. Si c'est pas lui là, il y a autre fille. Je suis une femme comme moi, comme ça là. Non, je sais, je sais. Ayeta. Ça va, ça va. À Canada, on t'a fait tout. Ayeta. Ayeta, comment qu'on a un problème, Ayeta. Non, il n'y a même plus. Avant de prendre. Non, t'as si. Ne prends pas les décisions. Ma décision est déjà prise. Ami, toi, c'est quel ton problème? Chaque fois qu'il y a un client, tu ne réponds pas. Tu as-tu un problème pour ça? Hein? Aïe, c'est américain, non, pas trop. Tu fais semblant, tu es à la maison, après, tu ne parles pas. Ah! S'il te plaît, faut m'aimer dans la maison. Je ne sais plus quoi dire. S'il te plaît, faut m'aimer dans la maison. Tu me manques.